nos souvenirs nous appartiennent-ils tous? Quel type de mémoire coexiste en nous? Il y a la mémoire à court terme, qui dure très peu de temps, comme une brève dilatation de notre présent. C'est cette mémoire qui nous permet de comprendre présentement les phrases. C'est aussi la mémoire, le souvenir d'un numéro de téléphone que l'on retient pendant quelques instants. 06 23 46 12 39. 46 12 39. 12 46 39. 46. Et il y a aussi une forme de mémoire plus durable, une mémoire à long terme. Quel type de mémoire coexiste en nous? Cette mémoire à long terme se constitue progressivement et peut persister pendant toute notre vie, sauf s'il arrive un accident. Comme cette mémoire à long terme, l'attention se constitue progressivement. C'est aussi la mémoire, le souvenir d'un numéro de téléphone. Les accidents laissent des traces, des cicatrices. On tient pendant quelques instants. 06. Les cicatrices ont le pouvoir étrange de nous rappeler que notre passé est bien réel. C'est aussi la mémoire, le souvenir d'un numéro de téléphone, le pouvoir étrange. C'est aussi la mémoire, le souvenir d'un numéro de téléphone. Le 27 mars 2014, Kate Cochrane, l'amnésique le plus célèbre de l'histoire, disparaît en emportant, paradoxalement, une somme faramineuse de connaissances sur moi. Suite à un accident de moto à l'âge de 30 ans, la mémoire épisodique de Casey est totalement perturbée. Il souffre alors d'un type d'amnésie très particulier. Il ne peut se souvenir de son passé ni imaginer son futur. À ce moment-là, un interprète, célèbre neuroscientifique, l'étudie. Et il s'aperçoit que Casey peut se souvenir de certaines choses de son passé. Mais ses souvenirs sont très restreints et correspondent à ce qu'on peut trouver dans des livres. Casey se souvient de la différence entre les stalactites, la différence entre la boule de pétanque, le cochonnet. Si Casey possède encore une mémoire sémantique, c'est-à-dire celle que nous partageons tous, si la mémoire, en revanche, il n'a plus aucune mémoire épisodique. C'est cet effet que nous faisons. Quelqu'un n'a aucune mémoire des choses qu'il a vécues, ressenties ou vues. Par exemple, il sait que son frère est marié. Il peut reconnaître les membres de sa famille sur les photos de mariage. Mon cousin, ma tante, la différence, mon oncle, mon passé. Il n'a aucun souvenir de ce mariage. En fait, il a des armes de tous les événements qui lui sont survenus ou qui sont arrivés à ses proches. N'ont pour lui aucune valeur émotionnelle. Des traces. Ce sont juste des choses qui sont arrivées aussi. Malgré ça, Casey a pu mener une existence en apparence relativement normale. Il pouvait même donner le choix au premier rapport. Dans une de ses dernières séances avec Telfink, il a dit: laissons du temps au temps. Du au temps.
Thank you.
Thank you.
Aïe, aïe, aïe.